Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. Il est 18h tout pile. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour votre débriefing de l'actualité high-tech sur 01 Live TV et c'est 01 Live Hebdo. Merci d'être là. Bonsoir Jérôme. Salut François. Bonsoir à tous. C'est au sommaire ce soir. Tenez-vous bien, vous allez découvrir dans ce 01 Live la nouvelle console Xbox. Microsoft vient de dévoiler son fameux projet Scorpio qui se présente comme la console la plus puissante du moment. On va tout savoir ce soir avec notre spécialiste Émeric Siméon. Qui l'a ici dans ce studio la nouvelle Scorpio. Bon là j'exagère un peu. Tu dis n'importe quoi. Non mais c'est pour attirer. On l'a pas encore. C'est pour appâter le chaland. il faut être honnête. Après Snapchat et Instagram, Facebook lance à son tour, vous l'avez sans doute vu, ses stories. Mais pourquoi les réseaux sociaux se ressemblent-ils tous avec ces stories? On en parle tout à l'heure avec Jean-Sébastien Zanqui qui est avec nous en studio. Ouais, et il n'est pas emballé par les stories, hein, autant vous le dire. Et pourtant c'est un spécialiste des réseaux sociaux. Hein. Votre écran de smartphone sera-t-il un jour capable de se réparer tout seul? S'il se brise, eh oui, on y travaille sérieusement, apparemment. Delphine Sabatier va tout nous dire dans sa chronique Zoom Actu. Et du côté des nouveautés qui viennent d'arriver au Labo 01net, alors là, c'est l'explosion, les amis. On va découvrir ce soir le premier téléviseur OLED de Sony. Sony, quand même le constructeur de TV, sort une dalle OLED. Qu'est-ce que ça vaut? David Noguera va tout nous dire tout à l'heure. Génial. On découvrira également la nouvelle enceinte Sonos pour téléviseur, précisément. Regardez ça, elle est plate, elle est conçue pour qu'on puisse poser le téléviseur par-dessus. Alors que vaut-elle? Quelles sont ses caractéristiques techniques et ses qualités ou ses défauts? On verra ça avec Jean-Sébastien Zanqui. Oui, elle est plate parce qu'on pose la télé dessus, on ne s'assoit pas dessus, hein. Autrement ça ne sert à rien. Ouais. Et puis un clavier sans fil de compétition pour ordi, smartphone et tablette, ce sera tout à l'heure aussi avec David Noguera. Comme chaque semaine, la question 01net Orange, vous nous donnez votre avis sur un sujet d'actualité aujourd'hui. Les stories Facebook, puisqu'on va en parler dans un instant. Ça vient de sortir sur Facebook, vous les avez sans doute aperçus. Qu'en pensez-vous? Utile ou inutile? Inutile. Voilà, j'ai voté. T'as pas le droit d'influencer le... Inutile. T'as pas le droit d'influencer les électeurs. Inutile. Vous allez sur www.01net.com, vous nous donnez votre avis. Utile ou inutile, on fait le point tout à l'heure. Voilà, 01 Live Hebdo, ça c'est utile. Merci d'être là et bienvenue. Jérôme, confirme-moi, nous sommes bien en direct, il est 18h03. Complètement. Sur 01net TV. Il est même 18h03. D'accord, c'est bien ça, on est d'accord. Et oui, parce qu'il apprend à lire les Gorky Timing, oui, on en a la leçon 1. C'est pour fait. Ça, non, ça sera tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire que comme on est en direct, à la fois sur YouTube, sur 01net TV, mais aussi sur Facebook Live, bienvenue, coucou à vous toutes et à vous tous, où que vous soyez, eh bien vous pouvez nous questionner avec, par exemple sur Twitter, le hashtag 01live, et vous pouvez nous laisser vos questions sur la page YouTube aussi, ou sur Facebook, on vous attend, vous êtes les bienvenus. Il y a déjà plein de questions sur Twitter. Oh mon Dieu, aïe aïe aïe, comment on va faire? Ça nous parle de console, de jeu, de... Ah oui, on parle beaucoup de la Xbox. Hein. Ah bah attends, mais tu m'étonnes, c'est quand même l'annonce du moment. Émeric Siméon, sur ses larges épaules, quand même repose toutes ces annonces Microsoft. Seulement. J'aimerais bien. Mais en fait, non. Comment c'est... ça, non? Bah non. Alors déjà, c'est pas Microsoft qui a annoncé. Voilà. C'est quoi? C'est Nintendo? Non, ouais, voilà, c'est ça. Ils sont dit, hop, après la Switch, c'est parti. Non, non, en fait... ah ouais, c'est bien comme ça. C'est bien. On va remonter le micro. En fait, donc, c'est un... Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir, là? Alors là, on est en train de voir... On est en train de voir le processeur de la... Voilà, le processeur de la... du futur Project Scorpio, donc la future Xbox. Alors, on sait pas comment elle s'appelle, donc on va l'appeler... On va continuer de l'appeler Project Scorpio. Mm-hmm. Donc, c'est son nom de code. Et en fait, donc c'est le site Digital Foundry, donc qui est adossé à Eurogamer, qui a eu le droit, l'avantage et l'honneur d'aller voir les ingénieurs de Microsoft pour que ces derniers leur expliquent un petit peu de quoi allait en retourner leur prochaine console. Donc ils sont revenus avec plein d'infos et donc c'était cet après-midi à 15h que la Digital Foundry en fait voilà, a dévoilé toutes les infos. C'est pas encore un lancement officiel. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. Et puis surtout, Microsoft n'a pas communiqué, c'est très astucieux hein, en fait, c'est par la voix de journalistes Microsoft communique sur sa prochaine console. Microsoft n'a pas fait d'annonce, quelle qu'elle soit. Donc hormis, ils peuvent dire le contraire dans 6 mois. Alors peut-être pas. Alors là il ferait peut-être fort quand pas, même, hein. Il peut-être ferait pas fort. Parce que il y a quand même, il y a effectivement, il y a de l'engouement hein, donc effectivement les réseaux sociaux en témoignent bien, mais il y a de l'engouement autour de cette console. Est-ce que Microsoft va être capable de faire mieux que Sony avec la PS4 Pro? A priori sur le papier,
Oui. La Scorpio est plus puissante. Donc, d'après les spécifications que tu as lues, c'est des, en fait, voilà, les spécifications importantes, donc processeur, etc. Processeur mémoire, etc. Voilà. C'est, ça sera plus puissant que la PlayStation 4 Pro. Sur le papier, elle est plus puissante que la PS4 Pro. On n'a que des chiffres pour l'instant. Voilà, on n'a que des... design, voilà. Y a rien de... voilà, c'est ça, on n'a pas de design. Alors, on a des idées. Bon, après, on peut extrapoler tout plein sur à quoi elle va ressembler, etc. A priori, les quelques schémas qu'on a pu voir sur les vidéos de la Digital Foundry montrent que quand même, l'ensemble des composants est assez finalement compact. C'est assez compacté, tout est assez bien empilé. Donc il y a de fortes chances que bon, elle ne soit pas non plus immense. Quoi. C'est pas une tour de PC le prochain Scorpio. Hein. Voilà, on va être clair. Ça ne va pas ressembler à une énorme console de jeu voilà, qu'on ne pourra pas loger sous sa télé. Il faut quand même que ça reste glissable gentiment. Voilà, il y a Corentin sur YouTube qui nous dit Forza 7 en 4K 60 images secondes. C'est alors, peut-être. En tout cas, Forza 6, donc qu'on voit dans la vidéo, effectivement, ils ont essayé, etc. Et a priori, les journalistes de la Foundry ont pu voir effectivement tourner. Ah, ils ont vu des démos de jeux. Ouais, alors a priori, ils ont vu que celle-là, puis peut-être aussi Halo, peut-être qu'on voit à l'écran. Mais bon, j'avoue, il va falloir que je la regarde pas mal de fois pour bien tout saisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu. Pour compter les ils ont eu Forza et qui tournait en 4K à 60 images secondes. Sur un circuit sur lequel il y a plein de voitures et a priori la plateforme qu'ils ont vue, la puce n'était chargée qu'à 70%, c'est-à-dire qu'elle en avait encore sous la pédale pour aller encore plus loin. Donc a priori Microsoft en tout cas semble avoir tenu son pari ou en tout cas sa promesse de pouvoir proposer une console qui techniquement pourrait être capable de faire tourner des jeux en 4K de façon native, ce que qui n'est pas toujours possible pour la PS4 Pro de Sony. Alors la PS4 Pro, voilà, dit bah, certains jeux peuvent tourner en 4K, pas tous, tout dépend des moments, s'il fait beau, s'il fait pas beau. Oui, c'est ça. Alors, hein? C'est-à-dire que l'architecture de la PS4 Pro, qui en fait façon assez rigolote et assez proche finalement aussi de ce qu'on va avoir sur le projet Scorpio, hein, parce qu'à la base c'est AMD qui fabrique les deux puces qui sont embarquées dans chacune des consoles des deux concurrents. Alors pas bien sûr pas avec les mêmes ingrédients, pas avec les mêmes sauces, etc. On est bien d'accord, mais ça reste AMD qui est à la base de la conception. Et donc ce qui est assez rigolo, c'est que a priori, là où la PS4 Pro propose, on va dire, des moyens techniques assez poussés pour donner l'illusion d'avoir de la 4K. Scorpio pourrait ne pas avoir recours à certains artifices techniques à mettre en œuvre de la part des développeurs pour arriver à afficher effectivement des images sur nos télé 4K que nous possédons tous dans notre salon d'ailleurs, c'est bien connu. Voilà. Bien sûr. On a plein de questions sur YouTube, notamment. Ouais. Est-ce qu'on a parlé de la VR avec cette console? Pas du tout. Pour l'instant, rien n'a été abordé. Les prix aussi sur YouTube, on nous demande ça. Rien du tout. Pour l'instant, à quoi elle ressemble? On ne sait pas. Elle peut ressembler à un grille-pain ou une machine à laver. Ça, je sais pas trop. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle embarque, comme la Xbox One S l'embarquait, un lecteur Blu-ray 4K. Ça, oui. Ouais. Ça ils l'ont dit, voilà, pas de soucis. Donc là-dessus, bon, ils font un peu mieux que Sony. Voilà, c'était puisque la PS4 Pro n'en a pas. Hein, ouais. Donc, voilà. Après, quoi vous dire d'autre? A priori, ça a l'air. Microsoft a l'air d'avoir mis vraiment le paquet sur la Scorpio, et surtout à utiliser tous les moyens qui étaient à sa disposition. C'est le début de l'histoire. Pour créer une super console de moitié de génération, on va le rappeler. Hein. Parce que tous les jeux qui normalement doivent pouvoir tournent sur la Xbox One, vont tourner sur Scorpio. Donc c'est vraiment on fait le parallèle avec la PlayStation 4 Pro. Ah là, mais tout à fait. On est d'accord. Voilà. On ne sait pas quand ça sort. Non. Enfin, a priori, alors à l'E3 dernier, Microsoft annonçait fin 2017. Peut-être qu'elle sortira avant. Peut-être qu'elle sortira avant. Et peut-être qu'à l'E3, on la verra, on pourra la toucher cette console. Ou peut-être même avant, puisque historiquement, la Xbox One a été annoncée avant l'E3. Parfait. Donc, peut-être que Microsoft réitérera cette fois encore. Merci, Aymeric. Je vous en prie. Aymeric Siméon, donc, notre spécialiste gaming sur zeronet.com, avec cette annonce, les premières spécifications de cette Microsoft Scorpio qui sont tombées il y a quelques heures à peine, et c'est déjà sur Zeronet TV. Jérôme. On va parler de réseaux sociaux maintenant. Alors tu sais quoi, il y a Fred sur YouTube qui nous demande comment on fait pour voter à la question Zeronet Orange. On va sur www.zeronet.com. Écoutez bien Jérôme. Vous faites dérouler un petit peu la page, vous allez voir, au milieu, comme ça. Milieu, comme ça, on part, vous n'arrivez pas, vous pouvez pas le rater, vous avez le sondage.
Ouais, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. On ne le précise pas assez. Merci, vous pouvez Fred. Aussi aller, il y a un raccourci, 01nettv.com. Non, c'est pas vrai. Si. On fait ça bien quand même. Hein. Ouais. Bon, 18h10, dans un instant, on retrouvera Delphine Sabatier pour sa chronique Zoomaptu. Zoomaptu, absolument. Zoomaptu, oui. Optu. Voilà. Mais avant cela, on va parler de réseaux sociaux, donc. Oui. Hein, parce qu'on est tous évidemment sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu de plus en plus. Les uns les autres, tous ces réseaux sociaux. Alors la nouveauté, c'est donc la sortie il y a quelques jours là, d'une nouveauté chez Facebook, Jean-Sébastien Zanti. C'est ça, en fait c'est pas vraiment une impression de trouver qu'ils se ressemblent un peu tous, parce qu'ils se ressemblent vraiment un peu tous. C'est-à-dire que Facebook a fait une espèce de push pour mettre sur à peu près toutes les applications de son groupe, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram et maintenant Facebook, ce système de stories qui est cher à Snapchat. Donc c'est des vidéos, des photos qui ne sont visibles que 24 heures, sur lesquelles on peut rajouter du texte, rajouter du dessin. Ça peut être du selfie ou une photo d'autre chose, hein, mais voilà. Mm-hmm. Et donc c'est sur ce côté éphémère. Et qu'est-ce qui leur arrive tous? C'est ce qui fonctionne pas mal en ce moment. Comment? À quoi ça sert? Non, mais... ça sert à surfer sur le succès de Snapchat, en fait. Ah, c'est ça le truc. Pardon, pas pour moi. C'est Snapchat, c'est le réseau social. Non, mais c'est une question intéressante. Mais oui, quoi, ça sert, voilà, dans l'absolu, ça sert. À quoi ça sert sur Facebook? Ah bah, mais même dans l'absolu, et puis sur Facebook, parce que déjà sur Facebook, on trouve déjà plein de contenu. Je crois qu'Emeric ne fréquente pas assez d'adolescents. Non, mais surtout, je ne fréquente pas du tout Facebook. C'est ce qui plaît dans Snapchat, c'est le côté éphémère du truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas des dossiers qui s'accumulent de photos avec les copains en soirée. Mais il faut. Jean-Sébastien, il faut peut-être refaire un petit peu d'histoire. C'est vrai qu'il y a quelques années, Facebook avait été à deux doigts, c'est ça, de racheter Snapchat. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je sais pas combien, 3 milliards, c'est ça? C'était quelque chose comme ça. C'était 3 milliards de dollars. Ouais. Le patron de Snapchat avait dit non, jamais, ça ne m'intéresse pas. Passez votre chemin. On a l'impression que là, Facebook est en train de se venger un petit peu de cet échec, en quelque sorte, en copiant au maximum Snapchat. C'est un peu ça, parce qu'en plus là, c'est même pas caché, puisque dans Instagram et dans Facebook, la fonctionnalité s'appelle Story, tout simplement le même nom que ce qu'il y a dans Snapchat. Oui, donc on a l'impression qu'effectivement, ça veut dire que c'est pas protégé, ce mot, alors, apparemment. Bah, non, en même temps, c'est un mot, histoire. Hein. Oui, c'est un mot dictionnaire. Bah, donc, je connais un mot genre fenêtre, par exemple. Oui, certes. Hein, c'est pas mal comme mot. Je crois que d'autres gens peuvent continuer à l'employer quand même en anglais. Ah oui, bon, ça va. Quand on parle des Windows. Mais oui, voilà, donc c'est effectivement, ça se ressemble complètement. Complexifie en plus les applications, c'est-à-dire c'est ça le problème. Voilà, sur Facebook, on va se retrouver, parce qu'en plus dans Facebook, ils ont également mis un système qui s'appelle maintenant Direct Message, qui est un système qui est donc lui aussi hérité de Snapchat. C'était la première fonctionnalité Snapchat, c'est-à-dire s'envoyer des messages à une ou un groupe de personnes, message également éphémère, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir. Qui est différent de Messenger. Voilà, va pouvoir avoir une ou deux fois. Donc dans Facebook, on se retrouve avec un flux de story, un flux de direct message, le fil d'actualité classique, et maintenant, en même temps, Facebook est en train de tester un nouveau fil d'actualité alternatif qui regroupe des actualités de pages qu'on ne suit pas. Oui, c'est pour nous faire sortir de notre bulle. Donc dans l'application Facebook, on se retrouve avec quatre flux d'actualité différents. Et en plus, il manque d'homogénéité entre les applications, puisque les stories de Facebook ne sont pas tout à fait les mêmes stories, enfin ne sont pas du tout les mêmes stories que celles qu'on a dans Messenger, qui ne s'appelle pas story d'ailleurs, mais journée. voilà, dans WhatsApp, c'est statut. Donc franchement, c'est incompréhensible. C'est devenu une espèce de... Facebook, moi j'avoue, ça fait un moment que j'ai lâché l'affaire. Enfin, j'essaie plus de comprendre comment ça fonctionne dans sa globalité. Hein. Ouais, c'est devenu vraiment compliqué. Et en plus, on n'a même pas l'impression que la greffe prenne, puisque dans Facebook, on a remarqué ces derniers temps que en haut de l'application, là où doivent s'afficher les stories, comme on n'a pas beaucoup d'amis qui font des stories, ils mettent des petites icônes grisées en mettant votre ami n'a pas encore fait de story, mais c'est juste pour occuper le blanc de l'application. Enfin voilà, on sent que ça apprend pas trop et que c'est un usage qui est vraiment... On a des commentaires pas très très sympas. C'est logique concernant Facebook. Hein, t'as vu ça, bon, c'est incroyable. Bon, après, y a quand même un milliard d'utilisateurs. Ça, Non, mais on a... Je sais pas, j'ai l'impression que le vent est en train un petit peu de tourner concernant Facebook. Enfin bon, bref. On a par exemple Ares Gaming qui nous dit que la story Facebook ressemble à deux gouttes d'eau à celle d'Instagram. Et c'est vrai. Oui, tout à fait. Parce qu'on parle de Snapchat, mais Instagram aussi. C'est la même société, de toute façon. Voilà, maintenant, on se rend même plus compte des différences qu'il y a aujourd'hui entre Instagram et Facebook. Non, c'est bien dommage. Ouais, tout à fait. C'est devenu assez complexe et il n'y a plus le côté spécialisé de chaque réseau social. Ils veulent tous tout faire. Bon, voilà. Autre réseau social qui a vu le jour ces jours-ci, Jean-Sébastien, on va en dire un mot vite fait. Là. Oui. Alors là, c'est un clone de Twitter.
Oui, c'est, ça s'appelle Mastodon, en hommage à un célèbre groupe de métal américain. Ouais. Le créateur est fan de ça, c'est un Allemand. Et en fait, c'est un réseau social qu'il a créé il y a six mois. Et ça commence à faire le buzz depuis début mars, et là depuis encore plus depuis quelques jours, puisqu'il a fait une publication en disant... Nous, on a appris des erreurs de Twitter. On ne va pas faire de censure, on ne va pas centraliser notre, notre réseau, on ne va pas faire de contrôle outre mesure que ce que peut faire par exemple Twitter ou Facebook. Il faut pas et beaucoup donc, de contrôle. Hein, alors Twitter, pas trop, Facebook, un peu plus. Oui. Et donc, il a créé ce clone, en fait, de... Ce n'est pas vraiment un clone de Twitter, c'est plutôt un clone de TweetDeck, qui est, on va dire, l'application un peu pro de Twitter, où il y a plusieurs colonnes, en fonction de ses sujets, de ses listes, de ses amis. Mais en fait, le cœur de Mastodon, c'est que c'est un réseau social qui est open source, donc n'importe qui peut l'installer sur un serveur et créer sa propre communauté. Ensuite, il est possible de créer des ponts entre chaque instance, comme elles sont nommées, mais c'est pas vraiment... très simple à faire, c'est pas forcément très simple à utiliser, il y a encore des soucis on va dire de fiabilité aussi sur les serveurs qui sont souvent saturés, on a pas mal d'erreurs sur chaque page. Donc voilà, c'est assez rafraîchissant parce qu'effectivement c'est quelque chose open source, c'est du libre, donc c'est plutôt louable comme intention. Après c'est vrai que le grand public, ça va être assez compliqué je pense pour lui d'appréhender Mastodon, puisqu'il y a pas mal d'étapes qui sont assez compliquées pour s'inscrire et pour trouver des amis. Oui, il y a pas, c'est pas comme Twitter, un compte et puis terminé. Il faut c'est ça. Son compte est accroché à une instance, donc chaque instance doit communiquer avec une autre. C'est un petit peu complexe. Ah oui. Donc ça a l'air bien en tout cas. Hein. Dit comme ça, ça donne vraiment envie. Moi, j'ai envie de me précipiter pour m'inscrire. Tu vois. Mais c'est top. Non, mais c'est à tester. Moi, j'engage tout le monde à essayer le. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant. Ah ben voilà, ça c'est bien. Ça c'est normal. C'est quelque chose qui est. Mais ça rappelle effectivement quand même un petit peu les débuts de Twitter. Où les gens se cherchent un peu les codes de communication. Donc voilà, pour ça, c'est intéressant. Bon, très bien. Tiens, je vous montre vous avez vu le logo, l'emblème de Mastodon. C'est ça, voilà. C'est lui. Alors, c'est pas la photo de profil de Jérôme, hein, je tiens quand même à le préciser. Hein, c'est le logo de ce nouveau réseau social. Mastodon. Okay. C'est un mastodon. Voilà. Voilà, il ça ressemble à un mammouth quand même. Oui, c'est vrai. Exactement. Un mammouth. Exactement. Alors, merci à tous les deux. Merci Aymeric. Jean-Sébastien, on se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu viendras nous parler de la Playbase de Sonos. Ouais. Mais tout de suite, vous l'attendez, Delphine Sabatier arrive et elle a peut-être la solution miracle pour, comment dire, protéger l'écran de son smartphone, Jérôme. Et apparemment, oui. Alors là, franchement, c'est pas mal. À tout de suite. Allez, avant ça, on jette un petit coup d'œil sur la question Zéro Net Orange, on reste dans le sujet. Inutile des... Pardon, excuse-moi. Il est fou. Inutile. Il est fou. Les stories sur Facebook, on en parlait un instant, qu'en pensez-vous? Utile ou inutile? Voilà. Alors inutile. Si François Sorel arrêtait un petit peu d'influencer les électeurs, on n'en serait peut-être pas là. Oui, c'est vrai. Inutile à 84%. Ouais. Faut dire que ça fait une demi-heure qu'on les casse. Bon. Non, mais bon, il y a quand même 16% d'entre vous qui trouvent que c'est utile. C'est pas beaucoup, mais bon, exactement. C'est un début. Ouais. Hein. Parfait, continuez, n'hésitez pas. www.01net.com, notre question 01net orange. Il est 18h20 et il est temps maintenant de retrouver Delphine Sabatier, les amis. Ça nous est tous arrivé, on fait tomber son smartphone et bim, patatras, la vitre cassée. Oh, alors c'est super, c'est super pour les réparateurs, ils sont très contents. Bonne affaire. Ouais, ils mettent des pavés par terre pour qu'on se casse la figure et qu'on brise les smartphones, pour qu'on aille les faire réparer. Mais leur petit business peut-être... Tu vas être attaqué en diffamation, toi. C'est ça. Donc la semaine prochaine... J'ai pas donné de nom. En duplex, depuis Fleury-Mérogis. Enfin, cela dit, il n'y a plus de place là-bas, donc tu pourras plus y être. Mais c'est pas grave, à côté en tout cas. En tout cas, peut-être qu'un jour, ce ne sera que de l'histoire ancienne, puisque apparemment des industriels bossent sur un matériau qui se réparerait tout seul. Oui, alors on a déjà entendu parler de ces matériaux qui évoluent et qui se réparent tout seul. Là, c'est vraiment une nouveauté. C'est un matériau
transparent. C'est pour ça qu'on pense que ça peut s'appliquer à un écran de smartphone. En plus, il est déformable, donc on peut l'étirer, on peut l'allonger, il peut aller jusqu'à 50 fois sa taille. Donc, il est assez souple et il se restaure effectivement après un choc. Donc là, on a un exemple, par exemple, c'est une sorte de polymère hein, qui va être coupé en deux avec des ciseaux. Eh bien, il y a les cellules qui vont être capables de se reconstruire. Il va y avoir des liaisons qui vont se faire. Et on va retrouver le matériau intact au bout de 24 heures. Ah oui, donc c'est la petite coupure qu'il y a au milieu qui petit à petit disparaît, c'est ça ? Exactement. À la fin, il te digère. Alors, la particularité, ce qui est nouveau dans cette présentation, c'est qu'en plus, c'est un bon conducteur électrique. Et ça, c'est important parce que justement, ça veut dire qu'on peut l'appliquer à des appareils électroniques. Donc, ça a été inventé par des chercheurs américains. On n'en est pas encore aux industriels. Hein. C'est l'Université de Californie à Riverside qui l'a présenté mardi à l'occasion d'un grand sommet sur la chimie. L'inspiration, c'est assez rigolo. C'est Wolverine, donc un super héros que vous avez peut-être suivi. Le professeur Chang Wam, qui dirige en fait l'ensemble de ses travaux, est totalement fan de ce héros. Il dit, voilà, moi j'étais dingue de ce mec. Et c'était surtout parce qu'il avait des super pouvoirs d'auto-guérison. Donc il sait, voilà, c'est vraiment son inspiration. Il s'est inspiré de Wolverine. Aujourd'hui, ce matériau est capable de rester à des petites fissures, à des rayures, à des cassure, puisqu'on a vu qu'on pouvait le séparer en deux et le reconstituer. Donc c'est assez impressionnant, ses capacités. Oui, enfin, vous dites fan de Wolverine, Delphine, vous êtes plutôt fan de Hugh Jackman, je pense. J'ai bien vu votre manège. Je le vois bien. Je le vois bien, ces posters dans votre bureau. Vous ne me ferez pas le coup. Bon, alors, comment ça marche, en fait, cette histoire ? Alors, justement, donc, c'est un conducteur électrique. Un signal électrique va permettre de créer un processus chimique. Alors, ne me demandez pas les détails. Vous avez le tableau blanc derrière. Qui vont permettre de reconstituer l'ensemble, de rassembler ces cellules. Voilà, ça va recréer des liaisons, comme des liaisons nerveuses, entre les cellules. Donc, je disais, les utilisations, c'est intéressant parce qu'on peut le mettre dans des capteurs sur des objets connectés qui sont assez fragiles et qui peuvent avoir tendance à tomber. Et on sait qu'un choc, eh bien, ça peut entamer non seulement le fonctionnement, mais aussi l'autonomie d'une batterie. Donc on pense aussi à l'utiliser, pourquoi pas, en matériaux pour des batteries. On y pense, je vous l'ai dit, aussi pour tout ce qui est, non je ne vous l'ai pas dit, pour la robotique, tout ce qui est muscles artificiels, puisque évidemment, ça permettrait à une main qui s'est fait mal de se reconstituer. Qui s'est fait mal, qui s'est un petit peu abîmée, de se reconstituer. Tout cela, on est vraiment dans l'imaginaire du héros de Marvel. Hein. Après Hugh Jackman, c'est Steve Austin maintenant, mesdames, messieurs. Bon, mais on a une chance de voir ça quand? Eh bien, dans pas longtemps, cher Jérôme. Dans 50 ans, Jérôme. Et pas du tout. Le chercheur nous dit dans 3 ans. Dans 3 ans ? Ouais, dans 3 ans, on pourra trouver ça sur des smartphones. Alors, ce n'est qu'une promesse, parce qu'il y a encore quand même quelques limites techniques à dépasser. Notamment, je disais, on a mis 24 heures pour rassembler deux morceaux. Donc, c'est un petit peu long, si vous avez votre smartphone abîmé, d'attendre toute une journée pour qu'il puisse se reconstituer. Non, imaginez un petit peu le truc. Par exemple, vous le laissez la nuit, le lendemain matin, il est nickel. Ça serait chouette. Et puis même, il a fait un petit à côté. Ça fait peur même. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un autre problème, c'est l'humidité. Ça va dégrader toutes ses capacités. Donc, il va être moins résistant au choc, moins capable de se reconstituer. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est quand même un souci parce que un smartphone, parfois, on l'utilise sous la pluie. Donc, ça, c'est un problème. Et il y a un autre souci, quand je parlais des muscles artificiels, c'est qu'il, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment très biocompatibles. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas se le greffer, quoi. Non, on ne va pas se le greffer tout de suite. Donc pour un écran smartphone, c'est probable, dans 3 ans, s'il arrive à régler son problème d'humidité. Bon, donc on ne pourra pas se greffer d'écran tout de suite. Alors il y a Jika qui nous dit par exemple sur page YouTube, hein, puisque nous sommes en direct sur YouTube, ça va sans doute fortement augmenter le prix du téléphone, cette histoire-là, Delphine. Eh bien là aussi, le professeur nous dit que... Alors il n'a pas donné de professeur, coup. Ce professeur mystérieux. J'imagine avec sa bouche blanche, tu sais. C'est le professeur fou qui a réponse à tout. Vous allez sur le site hightech.bfmtv.com et vous aurez une vidéo de ce professeur. Il nous dit que ça ne va pas coûter si cher que ça. Voilà, ce n'est pas un matériau hors de prix. Donc, on peut espérer que ce ne soit pas trop lourd pour la facture. Mais ça me rappelle un peu, LG avait sorti un revêtement comme ça pour un de ses smartphones. Mais je me souviens très bien la grosse bêtise que j'avais faite. J'avais fait un trait carrément avec ma clé sur la coque du téléphone.
Et évidemment, j'étais allé trop fort et je m'étais fait engueuler par LG. Oui, vous avez abîmé le téléphone. Et je dis, mais oui, mais je pensais que ça se réparait. Le crash test mais vous de avez France fait une trop grosse rayure. Il a fait un très gros crash test. Oui, mais parce que voilà, c'était réparable. Ça réparait les micro-rayures. Il n'était pas conducteur électrique. Donc en fait, on ne pouvait pas le mettre, par exemple, sur l'écran à cause de la surface tactile. On ne pouvait l'avoir qu'au dos. Oui. Donc là, voilà, c'est la nouvelle révolution. C'est vraiment ça. C'est le fait de pouvoir conduire l'électricité. Et puis quand on réfléchit un petit peu, LG a abandonné cette histoire de coque réparable. Donc je pense que finalement, ce n'était pas autant au mais point vous allez que voir, ça. Il va y avoir de plus en plus d'objets avec des matériaux qui évoluent et qui se réparent et qui s'adaptent. Exactement. Il y a des pare-chocs aujourd'hui de véhicules qui reprennent leur forme, qui s'auto-réparent, on va dire, entre guillemets. Merci beaucoup. Merci. Merci Delphine Sabatier. On passe au labo. Quand on dit on passe au labo, vous avez compris, hein, si vous nous regardez régulièrement. Oui, on passe au labo, on ne va pas se faire une prise de sang tout de suite avec Jérôme. Hein, voilà. Allez, on passe au labo. C'est le labo technique de 01net qui teste des dizaines de produits et chaque jeudi dans 01 Live, eh bien, on reçoit des spécialistes qui nous présentent ce qui vient d'arriver. Ce qu'on vient de tester en tout cas. Non, parfois c'est pas encore testé. Vivement qu'on puisse auto-réparer Jérôme, hein, quand même. Là, je m'adresse à Delphine et à son professeur fou. Ça serait pas mal. David Noguera est là. Bonsoir David. Alors on parle de quoi? On parle de télé ce soir. On parle de télé. Alors on va commencer par la télé parce que bon, j'ai pas pu l'amener. Parce qu'elle est maintenant chez moi, à mon domicile. C'est ça. Merci c'est beaucoup ça. De me l'avoir donné. Très bien. Non, merci, effectivement. David. On va se parler de télé et de télé OLED. Mais vous allez la voir. Premier téléviseur OLED de Sony. On a les images. Ouais. Alors c'est le téléviseur qui avait été présenté au moment du CES. Alors, il a été cette nouvelle gamme sur un marché. Bravia. Non. Ce sont des belles images de nos petits camarades qui ont filmé le téléviseur. Il est là le téléviseur. Alors effectivement, quand on voit ce genre de téléviseur, on a quand même tendance à se dire que certes LG affiche une belle domination côté design, notamment avec le wallpaper qu'on a testé dernièrement, mais quand on a le téléviseur Sony, c'est pas mal. Certes, c'est un concept complètement différent parce que ce que je suis en train de démonter là, c'est le fameux système acoustique surface, c'est le système de diffusion du son, en l'occurrence dans le pied, c'est le caisson de basse. C'est très ingénieux. Et ça, c'est très ingénieux. Et ce qui est encore plus ingénieux, ça prend la place, les amis. Il faut le poser. Le poser. Il faut aller à un meuble d'une quarantaine de centimètres de profondeur. Après, sur un 65 pouces, il va falloir prévoir un petit peu plus en largeur. Maintenant, le vrai système qui est ingénieux, c'est les deux pastilles. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Ce sont deux anneaux qui sont de chaque côté de la dalle, à gauche et à droite, et qui font en fait vibrer la dalle de verre de l'écran pour ce qu'on voit là juste derrière. Alors l'image est derrière nous, mais sur le logo, derrière le logo Bravia, il y a deux petits anneaux qui font vibrer la dalle de verre de l'écran et qui restitue le son. L'écran, 165 cm de diagonale et une restitution du son. Tous les médiums et les aigus sont retransmis au travers de la dalle. Il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de haut-parleur. C'est quelque chose qu'on a du mal le pied. Dans le pied pour les basses et sur la dalle. Mais le son, alors qu'est-ce qu'il donne? Le son, il est excellent. C'est-à-dire que même le signature de LG qu'on avait eu, qui était le précédent OLED avec la barre de son en bas, ce Sony, il n'a rien à lui envier. Je dirais même que c'est presque meilleur. Il faudrait avoir les deux en même temps pour comparer, mais c'est presque meilleur. Et lorsqu'on pose les doigts sur la dalle, on n'a pas réussi à le filmer parce que même chez Sony, ils ont fait des essais avec des caméras qui filment à plusieurs milliers d'images par seconde. Mm-hmm. Et lorsqu'on pose les doigts sur la dalle, sent cette dalle vibrer. Ah oui. Et vraiment, une vidéo plus complète et le test plus complet qui va arriver où la dalle arrive même à reproduire la spatialisation du son avec un bruit qui arrive par la droite, puis ressort de l'écran par la gauche. Enfin, arrive par la gauche et ressort par la droite. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Et après, côté qualité d'image, je le disais, un test complet arrive, on attend juste d'avoir le prix exact. Alors la dalle OLED LG. Dalle OLED LG. Mais avec le traitement magique Sony. Voilà. Donc à première vue comme ça. Alors à première vue, c'est plutôt pas mal du tout. LG, le problème c'est qu'ils arrivent à un moment donné où LG ressort et va continuer d'approvisionner les magasins avec ses séries 7. Donc on a eu le W7 wallpaper testé à San Francisco et maintenant il va y avoir les C7 qui vont arriver. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que Sony attend avant de nous donner son prix final parce que ça va être deux téléviseurs avec des dalles
très très proches. Et il va falloir, il faudra pas que les deux se loupent sur le côté du prix. Alors, donc ça va être la guerre entre les deux modèles. Ça va être la guerre avec, entre les deux modèles. Et puis il y a les QLED de Samsung qui arrivent. Et donc il y a un petit temps d'attente sur la communication du prix. Alors là, le prix de celui-ci, on ne l'a pas, malheureusement. Ah. Je pense qu'il va être pour le 65 pouces entre 5 et 6 000 euros. Donc ça va quand même être du téléviseur très haut de gamme. Avec un système Android télé, c'est un peu ce que je peux lui reprocher, c'est que c'est toujours Android télé. Alors la faute n'est pas à Sony, mais c'est qu'Android TV, j'ai l'impression que ça évolue pas. Donc de ce que Sony a pu me dire, c'est que la version 7 devrait arriver prochainement et apporter enfin un petit refresh de look. Et ça peut évoluer. Alors cela dit, il y a toutes les applis. Il y a toutes les applis indispensables. Hein, Sony Netflix, a préféré comme ça. Voilà, Sony a préféré se rapprocher de Google plutôt que de se relancer dans un système propriétaire pour être sûr d'avoir finalement le soutien d'une petite marque comme Google. Hein, voilà. Donc un très bon téléviseur quand même. Et sensiblement avec des performances, en tout cas pour monsieur et madame tout le monde, très très proche des téléviseurs LG. Là en plus, on l'a testé. Enfin, monsieur et madame tout le monde, 5000 euros. Sous-entendu, c'est-à-dire que nous, avec les sondes, on arrive à avoir des différences entre deux dalles OLED, Sony ou LG, mais qui ne sont pas perceptibles. Ouais, sincèrement, il faut vraiment aller dans un niveau de détail qui est pas qui est difficile à percevoir. Pépé Junior sur YouTube qui nous dit: quand je serai méga riche, j'aurai une méga télé. Pour l'instant, je ne suis pas riche, donc j'ai pas de télé. Voilà. Moi comme ça. Et là, ce qu'on voit derrière. On a des commentaires profonds sur YouTube. Ouais, t'as bien fait de le prendre celui-là. Il est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça résume bien. Et pour répondre au message Twitter, on nous dit: oui, on a l'impression qu'on prend moins les messages Twitter, mais en fait, il y a tellement de messages sur YouTube qui arrivent. Il y en a beaucoup plus que sur Twitter. C'est pour ça qu'on privilégie YouTube aujourd'hui. Mais allez-y sur Twitter, on est là. Bien sûr, on est là et on les lit, vos messages, hein, hashtag 01 live. Bon, très belle télé, donc test détaillé prochainement sur 01net.com. Semaine prochaine, normalement, si je te on devrait avoir le prix. Bien sûr. Voilà. C'est jamais, tu sais, un cambriolage peut vite arriver. Hein, tout à fait, le labo est bien sécurisé. Merci beaucoup. Alors on continue à parler de télé et de son avec du nouveau pour améliorer le son des écrans plats qui bien souvent n'est pas bon du tout parce que l'écran est trop plat, donc il n'y a pas de haut-parleur. Donc on a vu arriver les barres de son et voici maintenant une nouvelle famille de produits qu'on pourrait appeler quoi? Les bases de son, les... C'est des plateaux en fait. Des plateaux de son, voilà. Avec une marque qu'on connaît bien, c'est Sonos. Donc oui, Sonos, c'est Jean-Sébastien qui a testé cette Playbase. Tout à fait, ouais, effectivement. Donc c'est la première enceinte sous cette forme-là pour Sonos. C'est un form factor qui existe déjà chez Cabas, chez LG. J'avais eu la chance d'aller à Boston dans leur labo pour voir comment était conçue cette Playbase, donc, qui est vraiment très ingénieuse dans la conception. Avec il y a 10 haut-parleurs, je crois. Alors c'est ça, avec en plus un espèce de woofer qui est donc un gros haut-parleur qui fait les basses, qui est sur la droite de la Playbase, et les vents qui permettent d'évacuer l'air dégagé par le woofer, et sur la gauche, ce qui permet que la circulation d'air refroidisse les composants qui sont au centre de la Sonos. Voilà, donc c'est vraiment très ingénieux. Mais on ne l'avait pas encore testé. Et là, ça y est, je l'ai eu pendant une petite semaine chez moi pour voir un peu ce que ça donnait. Alors déjà, dans les points vraiment positifs, il y a le côté Sonos qui est la simplicité d'installation, c'est-à-dire on allume la Playbase, on ouvre l'application Sonos, elle est reconnue dans l'application. Voilà, c'est configuré en 5 minutes. Sonos, donc on rappelle, c'est un système Wi-Fi, voilà, multi-room, tout à fait. Avec une appli dédiée, mais avec des applis compatibles, style Spotify. On peut etc. mettre Spotify, Apple Music, Deezer dans l'application Sonos. Et on peut en plus, comme ce côté multi-room, on peut rajouter pour étoffer la Playbase, des enceintes, les Play One par exemple de Sonos, pour faire des satellites à l'arrière. On peut rajouter un subwoofer et là on a un vrai système 5.1. Ouais. C'est un peu cher. Mais ça fait un beau système. Quel prix? Alors la Playbase coûte 800 euros et si on veut rajouter tout le reste, il y en a pour 1200 ou 1400 euros. Mais franchement, Jean-Sébastien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je l'ai essayé également. C'est quand même assez étonnant. Dans un salon pas trop grand, ça fait l'affaire. Hein. Oui, complètement. Ça fonctionne à la fois pour la télé et puis ça peut te faire tout à fait ton installation. C'est ce qui est revendiqué par Sonos. Hein. Ils voulaient faire un système qui marchait aussi bien pour le home cinéma que pour le son. Rien d'autre. Et effectivement, c'est plutôt réussi. Alors voilà, il y a ce côté, on va dire, qui existe maintenant chez un peu tous les constructeurs qui est loin d'être de l'hi-fi. Attention, c'est pas un signal qui est vraiment ultra rendu. Il y a beaucoup de basses. Mais c'est une signature sonore qui maintenant existe chez un peu tout le monde, auquel on commence à un peu s'habituer.
évoluer parce que voilà, c'est un peu ce qu'aiment bien les gens aussi. Donc on est loin de la hi-fi. Les puristes ne vont pas trouver ce système qui est incroyable. Et de toute manière, ce n'est pas un système qui est fait pour eux, puisqu'ils ne décodent pas le DTS. Et il n'y a pas, par exemple, de port HDMI. C'est seulement de l'optique. Hein. Ça, il faut bien être. Faut bien ça, savoir. C'est bien dommage. Ça, c'est un carton rouge. Voilà. Ça, c'est clair. Pour Sonos, ils auraient pu quand même mettre des ports HDMI. Ça, c'est clair. Ils se la jouent un petit peu trop minimaliste sur ce truc-là. Ouais. Donc ça, voilà, faut être vraiment équipé pour ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sortie audio numérique optique sur le téléviseur. Sur le téléviseur. Mais après, effectivement, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. En audio, en musique, moi, j'étais assez impressionné par l'image stéréo qui est rendue par ce plateau, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez étroit. Ça fait 70 cm de large, pas plus. Mais l'image stéréo est vraiment très bien faite. Et ça, c'est notamment dû au système trouplé qui permet d'adapter le signal sonore de la playbase en fonction de la configuration de la pièce. Ouais. Voilà, et qui n'est disponible que sur iOS, attention, et pas sur les smartphones Android. Mais donc, c'est étonnant ce système. Tout à fait. Ouais, ça change le monde. Ah, à préciser qu'elle existe en noir aussi. Hein. Noir et blanc, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on parle assez rarement de Sonos, mais c'est une marque vraiment étonnante qui délivre une vraie solution de mieux. Enfin, quand on a un abonnement Spotify, Sonos, c'est vraiment l'idéal. Ah ouais, c'est super. Moi, j'ai aussi un système Sonos à la maison et c'est vraiment top et c'est très fiable. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a eu très peu de produits finalement. C'est ça, ils n'en sortent pas non plus. Mais il y a malgré tout des mises à jour régulières. Il y a des mises à jour logicielles, mais c'est très suivi et les produits qu'on a achetés il y a 5 ans. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si on a pu l'essayer, mais je ne serais même pas surpris qu'il soit possible de les coupler avec d'autres produits Sonos en tant qu'enceinte arrière. On peut mettre n'importe quel enceinte Sonos. Les One Satellite, le subwoofer, et ça fait un système 5.1. Donc, je pense que pour quelqu'un qui a investi dans du Sonos, c'est une continuité comme ça. On peut rajouter ça. Oui, c'est un peu leur stratégie. Hein. Ils permettent aux clients après, je pense qu'idéalement, vaut mieux peut-être, si on a les moyens, s'acheter deux autres Play 5, par exemple, pour avoir une vraie image stéréo. Alors pourquoi pas l'avant. Ou même juste des Play One hein, qui sont plus petites et qui peuvent tout à fait faire l'affaire pour ce genre d'usage. Hein. C'est malin. Merci Jean-Sébastien Zanquil. Merci. Formidable. Bon, on a encore débordé, allez, mais en plus, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. En tout cas, merci d'être là, puisque vous êtes assez nombreux à nous suivre sur YouTube ce soir sur zeronettv.com. On vous en remercie. Et on parle on parle pas assez souvent des accessoires, notamment pour les PC, mais pas que, puisque... Parce que, ouais, effectivement, là, c'est le kit Logitech MK850 Performance. Alors, hop, le voilà. J'adore, voilà, David, on a des toujours images. Les références. Oui, par cœur, oui, hein, c'est aujourd'hui, dingue. La télé X48. Bon, en fait, il dit n'importe 40. Quoi, mais comment on sait pas. C'est ça. Il va aller jusqu'au bout. Mais tu sais qu'il connaît même les références des machines à laver, comme ça. Oui, les machines à laver. Sinon, le plus compliqué, c'est quand même la télé. Oui, ça, c'est quand même pas mal. Alors, ce clavier MK850 Performance, c'est vrai qu'on ne se parle pas souvent de clavier parce que ce n'est pas franchement des produits qui sont waouh au quotidien, même s'ils sont complètement indispensables. La particularité de ce modèle, c'est qu'on le voit ici, là, il a donc des petites touches, 1, 2, 3, sur son clavier et sur la souris. Et en fait, il est unifying avec son dongle USB pour le brancher à son ordinateur et il est aussi Bluetooth pour le brancher à sa tablette ou son smartphone. Mm-hmm. Et avec les touches 1, 2, 3, eh bien, on associe ses périphériques et on passe de l'un à l'autre super facilement. J'appuie sur le bouton 1 du clavier, je suis sur le PC, bouton 1 de la souris sur le PC, bouton 2 de la souris de l'iPad pareil sur le clavier pour écrire son mail. Et bon, 3, ça sert à rien, mais c'est sympa. En fait, ça dépend. Disons que moi, il m'arrive quand même alors c'est vrai que maintenant, on a des ordinateurs avec du multi-écran, etc. Mais finalement, si on n'avait qu'un seul écran, on pourrait garder ses mails ouverts sur sa tablette, avoir un mail Gmail, par exemple, ou autre qui arrive, basculer, tapoter son mail, revenir sur son PC. Voilà, donc nous, il y a une petite solution. Ou alors, si on échange beaucoup par SMS, on peut tout à fait envoyer une flopée de SMS, taper super vite. Oui. Sur Mac, les SMS, tu les envoies depuis l'ordi. Il y a des solutions aussi sur Android. Quand on a un PC Windows et qu'on envoyait depuis des SMS depuis son iPhone, moi c'est ce que je fais, je les tape sur ma tablette et je peux taper sur le PC. Il y a un côté un peu ingénieux et surtout efficace, parce que il est assez cher ce clavier, 119€, mais c'est quand même avant tout le savoir-faire de Logitech avec une bonne souris, confortable, un clavier qui est très agréable à utiliser. On l'utilise 8 à 10 heures par jour, donc c'est quand même des bons produits qui sont fiables. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ce produit qui est quand même assez... On en veut plus original. Souvent, voilà. Des accessoires comme ça, des périphériques, David. Merci David. Merci à vous. Et merci à Jean-Sébastien Zanqui. Merci. Un petit détour, le dernier, Jérôme, vers la question Zéronet Orange. Que pensez-vous des stories Facebook qui viennent d'arriver? Est-ce que ça vous change la vie ou vous vous en moquez comme de votre premier réseau social? Oui, à 85%, vous trouvez ça inutile. C'est pas le gros succès, les stories pour l'instant. Est-ce qu'il y avait des stories sur MySpace?
Je m'en souviens pas. Non. Je crois MySpace. Pas. C'est vrai que tu es toujours sur MySpace, toujours. François. Il y a je toi suis le seul. Et il y a qui ? Il y a Jean-Jacques Goldman qui va avoir une page officielle. Il y a, toi, mon cousin, je crois. Aussi. Bon, ben voilà, ce zéro en live est terminé, les amis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé, oui, mais on avait pas mal de choses 10 minutes, à vous raconter. Comme d'habitude. Ouais. On se retrouve bien sûr tous les jours, vous le savez, sur Zéro Net TV pour toute l'actualité high-tech. Et on sera là jeudi soir prochain en direct. Merci à Pierre Thiolin, Thomas Romiret et Noémie Lefebvre-Marek. Portez-vous bien, à très vite.